Oh, elle est marquée sur la Ria, la recruteuse. Oh. Bon, on va essayer de continuer à trouver un moyen pour monter, hein. Malgré les tentacules. On voit rien aussi parce que c'est un temps de merde. Oh. Fragment de nul. Ouah. Je peux pas ouvrir ma map du coup parce que. Libellule. Oh, une maison abandonnée. Bah ça. Cabane de crevettes bouillies. Ça alors. Oui, en effet. C'est très littéral. What are you looking at? You trying to start something, mate? Bah ouais, rends-moi le pendentif, bonhomme. That necklace, what you're after, is it? Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. Okay. You're a shrewd one, Chief. First, you hand me the runes, and don't try nothing, neither. Bah, si toi tu me l'as fait à l'envers, c'est ma rapière que tu vas avoir dans le cul, en fait. Ça va, 1000 runes, let's go, on lui achète, comme ça pas besoin de faire couler plus de sang que prévu. Non pas que j'ai peur de l'affronter, mais mais voilà, parce que de toute façon il allait le revendre. Attendez, il allait quoi? This bloody swine. Decided to play ball now, have you? You'll be wanting the necklace then. Non bon. Voilà. All right. Take it. Things no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't come crying to me later. Pourquoi tu l'as volé si ça te servait à rien? Hein? Oh, piss off. What is it now? Oh, I see. You want some of me prawn? Oh ouais? Freshly cooked it is. All right then. It's yours. If you can meet me price. Elle faut être à 3000. To sell you some other bits too. If you've got the runes. Ok. Oh. So you met the girl, did you? Uh-huh. All right, well, sod the particulars of the matter. But it ain't my fault she's stupid enough to get duped, is it? Anyway, she ain't all right, that one. Ouais, elle est un peu tordue. Outside, I reckon. Bref. Qu'est-ce que tu vends? De la crevette, améliore la résistance aux dégâts physiques pour une courte durée. D'accord. Et si je te l'achète, tu vendras d'autres trucs? Vas-y, pourquoi pas, hein. Never met someone with a taste for prawn I can trust. We'd make good mates, I reckon. Never seen you. Énorme, putain, mais vous... Putain, c'est trop bien. On va retirer le cercle. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un qui aimait les crevettes être mauvais. Putain, pour l'amour des crevettes, bordel. Par les saintes loges de Marika. You're tarnished too, ain't you? Can you see it then? The guidance of grace, I mean. I can't see it at all no more. Makes no bloody sense anyway. Why some no-name shithead like me should get called to the lands between. Cruel bloody joke, you ask me. Maybe something went tits up with it. Maybe it's been broke for a good long time. The Atrium saying.
Ouais, bah apparemment les dieux ont pas réussi à se départager entre eux donc. Tu vends du coup des crevettes. En vrai, je vais faire un stock de crevettes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre ce con? Mais N'ayez crainte. C'est quoi, c'est 900? Ah, j'ai déjà oublié. Par les loges de Marika, putain, mais. Ouais, on va en acheter quelques-uns. Ça, c'est. Bon, il est marqué sur la map, donc c'est bon. Bon, allez, à plus, mec, hein. Bon, vous voyez, comme quoi. Si on prend le temps de discuter, on peut se faire des potes. Bon, on va rapporter le médaillon, du coup. Si ça se trouve, c'est elle, la méchante. Le mec, le voleur qui cuit les crevettes, c'est le bro, en fait. C'est juste qu'il est un peu rustre. Et elle, ça va être une saloperie sans... Comment j'ai fait pour ne pas le voir? Quoi? C'est un boss? Mais d'où il sort? Parce qu'il fait nuit? Aoua! Oh, c'était magnifique ce que je viens de faire. Pas ça, mais... Oh, il a... Non, mais non, mais il a de la malmort, bon! J'arrive à l'empoisonner. Il tank, hein. Waouh! Waouh! Les dégâts! Je vois rien. La caméra. Il est où mon perso? Ok, parfait. Ça a pris le temps, mais ça y est. Oh, trop tôt là. Oh la vache. Immobile, hein. Oh, il picore. Je bois. Ouah. Ok. Putain, la glace s'applique pas tant que ça. Après, peut-être que lui, encore une fois, c'était un mec qui résistait à la glace. On a bien vu que des fois, il y a des mecs où on leur applique très vite. Lame cornue aux plumes rouges. Putain, mais. D'où il sortait ce truc? En plein milieu de la flotte, complètement paumé. J'ai dû passer par là et jamais le voir, et là j'ai fait un tout droit en revenant, peut-être. Terme. Augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont bas. D'accord. Intéressant, ouais. Faudrait voir à quel pourcent. Ça peut être intéressant. Voir aussi si c'est un pourcentage d'HP. Parce que plus, si vous avez masse HP et que c'est un pourcentage, bah ça devient vraiment pas mal. Mais ouais. D'accord, bon, 100% c'est un ennemi classique, le truc qu'on vient d'affronter, hein, mais... Quand j'ai vu qu'il faisait de la malmort sur son cri, j'ai un peu paniqué. Mais ça va, il l'a fait que deux fois. Bref. Tout d'abord, magnifique. Ensuite, la fille tordue. Ya yeah. Oh. Oh. Presque. Bonjour. Ouais, j'ai ramené des crevettes, by the way. J'ai même pas regardé le pendentif. J'ai même pas regardé. Il y avait sans doute des indices dessus. Putain, mais quel con. D'accord. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own. Ouais, je l'ai vraiment défoncé, hein. Strength is precisely what my mistress seeks. Please, take this. Invitation au manoir du volcan. Alors, il me semble qu'il y a un demi-dieu au manoir du volcan, non? Je sais pas, j'ai l'impression que Gideon nous avait dit ça.
qu'il y en a un qui est au manoir des volcans. Ouais, je sais où c'est. Most tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erd Tree. But you are no ordinary tarnished. And once that is proven, the volcano manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. D'accord. Ça doit être un covenant ou pour avoir une des fins. Mm-hmm. Only for you, this land of Liurnia is connected to the Altus Plateau by the Grand Lift of Dectus, beyond the High Road. But the lift has been defunct for an age, meaning there's no simple means of passage. Instead, you must seek the old ruins in the cliff, at the base of the valley, near the Grand Lift. Oui, mais je sais. Old tunnel. Oui. It was excavated from both ends, linking Liurnia to the Altus Plateau. I have faith in you. A champion through and through. I do hope that we can meet again. Pourquoi pas, écoute, bon, je suis déjà allé à Altus, mais... Merci. J'ai déjà trouvé ce passage dont tu me parles, mais ça aurait été un énième PNJ qui nous indique comment monter sans prendre l'ascenseur. Oh, pourquoi il y a une bannière là, ah oui, parce que c'est vrai, je ne savais pas comment descendre. Ok, c'est intéressant. L'invitation du manoir, voyons voir. C'est un objet clé, j'imagine. C'est une lettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! C'est vrai, le set de couture, on va aller voir Bok. Oui, bien sûr. L'invitation du manoir. Là. La lettre remise par Rhea pour vous remercier d'avoir retrouvé son pendentif renferme une invitation pour rejoindre le manoir du volcan. Brave sans éclat, cherchez le plateau Altus dans le royaume de l'arbre monde. Faites vos preuves en survivant au voyage et le manoir du volcan vous ouvrira entièrement ses portes. Ok. J'imagine que c'est... Avec ça, on pourra rentrer dans le manoir par la grande porte. Il me semble qu'on a quelqu'un à tuer à l'intérieur, ceci dit, donc... Je vais potentiellement devoir la trahir, hein, parce que nous, notre cible... C'est un demi-dieu. Après, je me trompe peut-être entièrement aussi. C'est très possible. Juste, je vais aller voir Bok. Bok qui est normalement ici. Voilà. Je pense qu'on peut lui donner le set de couture en or. Hein. En théorie, c'est bon. J'ai un truc pour toi, mon ami. Bok, the seamster. Are you ready to make adjustments to your garments? Ouais. Non? Bah non, du coup. Bah merde, attends, Putain, à chaque fois j'arrive dans l'inventaire avant. C'est des objets clés, je me souviens plus. J'en viens en plus, oui. Aiguille de couture sculptée dans l'or. Objet unique conçu pour toucher les atours des demi-dieux. Et il était l'un des outils apportés par Radagon lorsqu'il se mariait à la reine de la première lune. Avec ceci, même les atouts des demi-dieux pourront être retouchés auprès des cycles de grâce. Ah. Peut-être que c'est juste qu'on n'a pas l'item encore des demi-dieux et... Peut-être. J'avoue que je ne sais pas. Oui, on ne sait toujours pas comment on monte, là. On ne sait toujours pas comment on monte, on va continuer à faire un peu le tour. Il pue là. Bah super. J'ai bien fait lâcher des crevettes en avance. Hein. On va les équiper. Voilà. Donc... Non. Attends, c'est un voleur, il va peut-être pas rester ici à l'infini. Bon, on va peut-être le recroiser plus tard, ce serait cool. Comment, diable, allons-nous monter là-haut? Puis ça tombe bien, de toute façon, je voulais explorer un peu la flotte. On a bien fait, parce qu'on a déjà trouvé des multiples choses. Oh, merde! Putain, mon aveuglance. D'accord, tout ça pour ça.
Moi je tue pas les homards, hein, ils sont cool. Hein. Jusqu'à ce qu'ils me one shot, mais. Dans les médias, ils sont cool. Oh oh oh, une grâce. C'était quoi ça? Un petit crabe. Oui, il me dit crabe. Ok, pardon. Alors. On récupère ceci. Profondeur droit devant. Vraiment. C'est ballot parce que moi. Moi je montais. Profondeur. Genre d'un coup on tombe et on meurt. Oh. J'ai sursauté. Bon, les petits crabes, vous direz à votre maman que je vous ai rien fait, que je suis gentil. Pas besoin de m'attaquer. On peut monter, là, par pitié. Non. Ah, c'est si haut, on pourra jamais, hein. Il y a un truc, là. Meurs. Putain. Je me souviens à peu près d'ici, sous dans la pluie. Ah non, c'est trop haut. 100% on y va par un téléporteur en fait. Attends, je vais essayer quand même, mais. Ouais, non, y'a rien là. Parce que là, ouais, je me souviens d'ici. Par le village des Albinori. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même bien fouillé le village. Comment qu'on monte? Ça va peut-être être un DP froid. En vrai. En vrai, maintenant que j'y pense. Vu à quel point c'est coupé du monde, c'est peut-être un DP froid de. De ça là. Ouais. Maintenant que j'y réfléchis, ça fait sens. Ouais, ouais, ouais. On va retourner là. Et on va, du coup, on a, bon, on n'a pas exploré à 100% la flotte, hein, bien sûr, mais en même temps, vu tout ce qu'il y a, voilà. Mais on a grosso modo vu en grande ligne ce qu'on voulait voir à Lurnia. C'était quoi, ça? Église de la Rose, Varé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que Varé voulait qu'on invade. Et ça, c'était quoi? Quartier du Temple. C'est vrai qu'on avait un peu rushé ici, en mode on verra plus tard. Ici, on a un peu vu aussi. C'est là, le village aux portes de l'académie qu'on n'a pas trop vu. Donc voilà, plus. On va y aller à pied, ceci dit, au cas où si on trouve des trucs sur le chemin. C'est par où? C'est par là. Oui, là, c'est par là. Ouais, donc vu qu'on n'a pas trouvé la clé du tout, on va devoir aller aux portes de l'académie. Chercher ce fameux plan. Heureusement que je me suis spoil ça, parce que sinon on serait un peu dépourvu là. Mais mais ouais. Putain, c'est très stylé Lurnia quand même, hein. J'aime beaucoup. Oh, encore une grâce là? Eh bah oui. Eh bah oui, eh bah oui. Ya. On a bien fait de passer par là. Parfait. Donc. Le fameux village. On était déjà venu ici, je me souviens. Même il y a une grosse fleur qui lance des spells pas trop loin. Je crois que cette graine de vie, on l'a prise aussi. Ah, la vieillard, je m'en souviens pas par contre. Il y a une mamie dans le coin là. Oh, il y a un spell aussi. C'est pas vous? Oh, mais le crabe va me faire chier, du coup. Non, il mange, c'est bon. Laissons-le, laissons-le. Oh. Ça devait être le vent. Bon, s'il y a un spell, je l'ai pas trouvé. Ah, il doit être au-dessus, sur le rempart, que sais-je.
Moi je cherche la mamie, elle est où la mamie? Ah bah, sur le rempart. Eh bah oui. Donc on l'avait pris, effectivement. On explore un peu le village, du coup, le village immergé. Ça rappelle un peu FF14 aussi. Dans Shadowbringers, il y a un truc à peu près comme ça. Des albinoriques. Des petits graves, on peut invoquer. On peut pas rentrer. Ah. Calmez-vous. Oh, ok. Carlos! Oh, qu'est-ce que. Il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps là. Je viens de voir des trucs très étranges. Aou, aou, aou. Putain, Dialos! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Non! Oh! Bah mais je l'ai jamais trouvé, mec. Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. Putain, ça aussi c'est écrit par Martin, hein. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Diel. Des mecs qui chassent. Des mecs qui chassent les sans éclat. Vision de colère. Tout d'abord, cadavre. Oh. Mais tu me dis pas plus, tu sais. Oh, mais qui? Ceux qui chassent leurs confrères sans éclat. Donc des sans éclat, des tarnis, visiblement qu'on fait ça. Putain, depuis le temps que je te cherche. Il est allé la chercher lui-même en fait, parce que nous on l'a jamais trouvé. Ouais, bah cette quête elle est morte, je pense, hein, mais. Enfin, oui, elle est morte, mais. Mais la quête, ouais, je. Peut-être qu'on verra, on reverra Dialos, je sais pas trop. Ce que ça implique. La maison Oslov. La maison des Russes. Ok. Putain, rude. Depuis le temps que je cherche la. Que j'ai ça dans le coin de ma tête en mode il faut trouver la servante de l'autre. Oh. Ok. Pourquoi il n'y a pas de message là? Tête, oh tête. Mais putain, mais. Manque cruel de tête par ailleurs. Mais qu'est-ce que. Oh! Putain, d'accord! Moi, je pensais qu'il. Je pensais qu'il pétait tous un câble autour d'un asset, quoi. En mode, oh, il y a une tête énorme! Putain, mais. C'est juste que le mec, il chillait là? Ah, j'en peux plus, putain. Manque cruel de tête. Bon. Salut. Je fais que passer, hein. Ouais. Restons-en là. Peu peur si j'ai besoin de sympathiser avec des mecs, je peux toujours leur filer des crevettes. Ça marche bien, généralement. Hop. Voyons voir là. Putain, avec la brume et tout, c'est un peu flippant quand même, hein. Putain, merde, Lania est morte, quoi. Et aucune idée de qui, quoi, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour? Une nécropole? Une nécropole. Une faux. Est-ce qu'on peut monter là-dessus? Je pense, hein. Non, c'est un télescope. Attendez. Ah, quoique. Oh, y'a un truc là-dedans, par contre.
C'était très gracieux de ma part, je sais. Cool. Ok, à chaque fois qu'on en utilise une, on en retrouve une. C'est formidable. Il y a visiblement rien dans cette tour. Bon, le cimetière, on a compris. Vous êtes pas content. Vous êtes mort dans le... dans la tourmente. Et maintenant, c'est à nous de payer le prix. Je sais, je sais. J'ai ouï dire de vos coutumes. Là-dedans, il y a quoi? Oh! Oh! Ça alors? Eh ben allons voir! Ah, mais par contre, on pourra peut-être pas revenir. Finalement, c'est pas c'est à sens unique ces trucs-là. Ah, ok! Ah, oui, d'accord! Je vous avoue que je m'attendais à. J'espère un peu que ça nous téléporte là, hein. Mais. Il y a un truc là. Arbre. Ouais. Bon, on était où? C'était celui-là, je crois. Bon, bah revenons au village des portes de l'académie. Hein. On va commencer l'ascension, parce que je sais qu'il y a une espèce d'escalier qui mène jusqu'à Raya le Guerrier. Allons-y. Hop. Parcours. Ya, je tombe dessus. Oh, il a pas aimé. Ça doit être une insulte dans l'albinorique ancien. Une langue que je ne connais pas encore très très bien. Donc, j'ai peut-être froissé ses sentiments. Bien sûr, je m'excuserai proprement sur Twitter. Ne vous inquiétez pas. Alors. Là, mais c'est fermé, là. Bah oui. Bien sûr que c'est fermé, sinon on ferait pas tout ce bordel. Si c'était ouvert, on n'en serait pas là. Oh, marchand. Juste feu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas trouvé un nouveau marchand. Oula. C'est vraiment une monstruosité. Bah écoutez, hein. Oh merde. Je le savais. Oh putain, j'avais pas vu. Ah putain. Ok. Là c'est con, hein. Oh, ma seule fonction, c'est de tirer du feu. Ok, on va se mettre ça en avance. Bon bah je suis obligé de suivre leur chemin. Get cancelled. Oh merde. Je me disais, je vais parier à régler ma vie, mais j'avais pas vu que j'étais plutôt pas mal en fait. En termes de vie. Salut! C'est pas mal ces petites grenades quand même, hein. Ok. Petite cité U. Il doit y avoir un vendeur de panini pas loin là. Et des mecs qui ne vont pas faire leurs études. Ceci, je peux les comprendre, étant donné que c'est fermé. Doigt droit devant. Oui, augure des doigts, tu veux dire. Ami probable. Mon cruel de crabe. Ok, jusqu'à maintenant, je lisais des messages, mais maintenant c'est fini. Hein. Alors. Oh, je suis trop près. Attendez, attendez. Oui, oui. Oh, bless you. Oh. Mikela's favor can
Slaughter. 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 The all-hearing slaughtered. But alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Pity the poor, poor fool. Ah, tu me demandes de trahir Alexander, là. Ah, ça me plaît pas des masses, cette prophétie-là. Alexander, il... Après, peut-être que Alexander va mourir et on pourra récupérer l'objet aussi. On n'est pas obligé de le tuer. J'ai pas trop envie de tuer Alexander, je vous avoue. La faveur de Michaela, donc la reine, enfin la déesse de la putréfaction écarlate. Oh, un gros pont! Peut-être qu'elle parlait de ça? Non, bien sûr, elle parle d'Alexander, je pense. Hein. Oh, il m'a repéré de là, dis donc. Oh, il y a un chariot de mort! Ow! Un chariot de mort qui va me tirer dessus. Oh, il fait trop peur. Ah, putain, il y a un mec. Ok, je l'ai vu. Wow. Wow, chiant. Ouais, voilà. Il va me reculer dessus. Ah, les yeux nous suivent du regard. Oh, c'est horrible. Ok. Et là? Ok, nickel. C'est peut-être ça l'idée de la... Aïe. L'idée de cheminer... Il y a un mec qui me harcèle depuis tout à l'heure. Chii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 
On a activé la grâce, donc tout va bien. Le moyen plus rapide, ce serait peut-être par là. Au niveau des 4 boyfroids. Parce que là, si je saute d'ici, je pense que c'est la mort. Attends, surtout qu'on était vraiment pas loin, là. Juste là, il y a la tour, non? Attends, non, je confonds. Non, c'est rune. Ah, mais ouais, on était vraiment pas loin. On a gravité un peu tout autour de ce truc et... Alors, ceci dit, c'est la clé est peut-être pas là. Ça se trouve, il y a un autre indice en mode ah, je suis parti avec la clé, gnarc. Il y a des trucs qui volent là-bas. Ça alors? Plein de mouches à mana. Oh. Ça se trouve, c'est des bombes. Putain, faut être discret là. Qu'il l'a bouffé en fait. Et la clé est dans son bidon. Peut-être. Il y a un truc qui pionce là. Hein. Un gros truc qui pionce. Il est plus là. Non, c'est pas sa queue, c'est quoi? Il est où? Ah oh, sérieux? Tu te réveilles? Est-ce que c'est pas le dragon qu'on a combattu avant, cher ami? Tu vas où? Il est full life en tout cas. Bah si, il s'appelait Smarag et je sais plus. Et il s'était enfui. Ok. Wow, ok. Je pensais pas que ça serait tête chercheuse. Est-ce qu'il s'appelle Smarag? Je me souviens plus. Hein. Ok, il est putréfié. Putain, j'espérais un peu qu'il soit pré-blessé vu qu'on l'a combattu avec Rani. Ça fait rien de détruire les trucs? Non. Hein. Oh la vache, ça reste. Admirer alors que je ne touche rien. Putain, je vais bientôt perdre... Torrent. Oh merde. Oh, c'est stylé. C'est toujours aussi stylé que quand on a combattu Aguil. Hein. C'est le même boss, hein, basiquement certes, mais... Sauf que lui il fait des dégâts magiques et il a sans doute beaucoup plus d'HP. Oh merde. Yeah. Oh, j'ai failli me faire one shot sur ça. Oh, s'il te plaît, relève-toi. Admirer le pouvoir de la putréfaction écarlate aussi. Hein. Oh, il a refait la même. J'y crois pas. Meurs. Admirez le pouvoir de Mikaela! Let's go! Allons pouvoir désormais. Oui! Ah, c'est trop bien! Je pense que Aranis a juste bugué, il a des aggros et c'était peut-être pas le même boss, mais après on l'a jamais revu. Je sais pas. Parce que Aranis, je pensais juste que c'était une invocation qu'elle mettait pour se protéger. Enfin, c'est très bizarre. Bref. Bon. Visiblement, ça s'est mal passé pour toi.
Mais voici la clé. Je continuerai ton œuvre. Même si ça se trouve, ton œuvre, c'était dessiner des yaoi. Donc, auquel cas, je ne te garantis pas que je continuerai ton œuvre. Voyons voir. Clé des sceaux qui condamne les deux portes de l'Académie de Ryalkari active un sort de téléportation contenu dans les sceaux. Si une clé de pierre d'éclat conserve le souvenir de son possesseur, aussi une fois utilisée, nul autre que vous ne pourra s'en servir. Ah, c'est pour dire en mode je ne pourrais pas la donner à frère truc. Je pense. Bon, eh bien, allons-y, il est temps. Il est temps de pénétrer dans l'académie. Encore un petit peu confus avec cette histoire de dragon là, faudra que je regarde au montage si c'est le même nom. Mais c'est un peu bizarre. 24 000 âmes, by the way. On avait dit qu'on se mettrait des HP. Hein. Il va en falloir un peu là. Bon. Eh bien c'est parti. Ah oui d'accord. Juste on s'en fout quoi. Juste on passe. Saut antique mis par les maîtres mages. Nope. Moi je passe. En même temps oui, on a la clé prévue pour. Donc tout va bien. Putain, nous y voilà. Et comme prévu, ça casse bel et bien un TP. Ah oui! Ah oui, j'imagine que c'est ce chemin-là. Et qu'on arrive là. Parce que là, je fais demi-tour. Ouais, c'est ça, ok. D'accord. Des gens sont morts ici. Va comprendre. C'est peut-être un lieu d'invade. Ça, en vrai, ça ressemble à une belle arène. Ah, mais oui, mais non, mais bien sûr. J'ai déjà vu des gens se battre ici, en PVP. C'est un lieu... Attendez. Oui, voilà. Il me semblait bien. Donc ça, c'est pour aller arriver là-bas avec Bok et tout. Ok. Bon, bah on y est, hein. On veut qu'ici, c'est une arène. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de caché. Un ascenseur direct. Oh là, il y a des vibes à Orlando d'un coup là. C'est parti. On va trouver tellement d'items de mage et tout là. Oh, je suis chaud. Et soudain, musique. Nous sommes officiellement dans un donjon, je pense. Le deuxième vrai donjon depuis... Bah depuis Valorage, hein. Oh, la musique. Wow. Ok. C'est stylé. Ah, c'est comme un rêve en vue. Ah ouais. C'est trop classe. Ok. Ça va être sans doute infâme et je vais regretter... Ok, bon. Je pense qu'il est simple d'assumer qu'il y a énormément de... mages. Ici. Beaucoup de coucou, du coup, aussi, hein. Clin d'œil. Pour l'instant, pas d'ennemis. Oh, oh, oh. Hmm? C'est eux qui font ces bruits-là? Bon, on y va. Bande de bâtards. Ok. Bon. Bon, bon, bon. Pour l'instant, c'est une petite introduction gentillette. Rentrons. Oh merde. Attention groupe. Oh là! Ah, je crois que tous les mecs au plafond c'était des... C'est un boss? Pas du tout. Stupide mage!
Oh, ces trucs-là. Ok. Là, ils vont paniquer. Ah non. Je ne vous laisserai pas le temps de paniquer. Bon, les pontins, c'est bel et bien des constructions de ces mecs-là. On est d'accord. Oh! Petite zik. Petite ambiance. On va l'entendre pour les 5 prochaines heures. Hein, préparez-vous. Ok. Ça en prend bien sûr. Ça en prend tous les... Oh bon, bah... Oh non, ils vont respawn sinon. Putain. Bon, on va y avoir... Si c'est comme Valora, genre, on va trouver un milliard de trucs ici. Peut-être de PNJ aussi. Commençons par l'aile gauche, hein. Écoutez, Oh non. Vraiment. Des squelettes. Un cimetière dans l'académie, mais qu'est-ce que vous foutez? Pouah, ta mère. Il m'a prévenu en plus, attention droite et tout, mais... Et il m'a bouffé mes points de compétence. Bien vu. Est-ce qu'il respawn cela? Non. Habile. Donc c'est un lieu de mage anti-mage, qui plus est. Gauche. Donc ils vont leur faire la même, c'est ça? Yes, vu. Allez, alors, papa. T'es si lent. Ok. À défaut, ils sont plutôt faibles. Je sais pas du tout où je vais, hein, mais j'y vais. Et j'ai vu un item ici, aussi. Oh! Oh! Oh là là, le gangbang! Waouh! Voilà! Est-ce que je peux le bait? Oh, il lève qu'un bras. Sans doute une coutume de chez eux, je ne sais pas. Ok. Bon bah du coup j'ai plus de points de compétence, je n'ai pas pouvoir pas vif comme je veux. Ah oui, j'avoue. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il est bête cet enfant, mais vu les ennemis qu'on va affronter ici, autant se préparer à l'anti-magie, hein. Ah d'ailleurs. Peut-être aussi. Peut-être la dague pourpre. Attendez, je m'installe mieux. Peut-être virer la dague pourpre. Et mettre. Ouais, on avait un truc qui était vachement bien. On n'avait pas trouvé un truc qui était trop bien pour les afflictions. Ah ça c'est bien aussi. Hein. Cotation, c'était toutes les skill attaques. Ah, c'était ça, immunité. Ouais mais bon, qui nous donnait une immunité de fou mais ouais. Oh, bon, la résistance aux dégâts magiques c'est ça. Hein. Je sais pas à quel point mais on va se l'équiper passivement. On va essayer de s'habituer à avoir ça. On aura plus le soin sur les... Sur les coups critiques, mais c'est pas grave, au moins si on peut survivre grâce à ça. Oh bordel. Je me souviens de ce scénario. Hein. Oula, c'était proche du bord cette histoire là. Ah, du coup, quand t'as plus d'énergie vitale, c'est ta. C'est tes HP qui te suck. Ouf. Oh 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 putain, what? Ah oui, d'accord, j'avais pas vu les mecs du coucou. Oh, quelle salle de merde!
Ah, faut que je me mette à l'abri là. Je suis couvert de flèches donc. Ok. Ah ouais, bro, j'ai pas le temps là. Oh, oh, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce lag là? Oh, lui il a été frostbite, dis donc. Bon. Oh. Un énorme moulin qui sert d'ascenseur. Oh. 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 Un full set d'armure, ce n'était pas arrivé depuis Attendez, je me rends. Putain, je vais le voir, il se relève. Attendez. Mon dieu. On peut même pas se redresser en jouant ce jeu. On peut même pas s'installer convenablement. C'est quoi ce travail? Je disais, on n'a pas eu de set d'armure depuis que Ensha ou Nesha nous a attaqué, quoi. Voyons voir. Oh non, bon, tant pis. Non, faut que je la rééquipe pour comparer. Alors, c'est bon bien presque tout. C'est moins bien presque tout, sauf bah, les fameux foudres sacrés. Ah, c'est plus léger. Casque des chevaliers enchantés qui servent autrefois la famille royale de Caria. Les chevaliers enchantés, adoubés par la reine Sélène, étaient des héros plus honorables les uns que les autres. Ils déclinèrent cependant à mesure que la famille royale sombrait. D'accord. Ouais, c'est moins bien en tout, hein. C'est juste plus léger. Hein. C'est moins bien en tout. Je vais l'équiper pour voir ce que ça donne, bien sûr, mais... Oh, par contre... Oh... Bon, la pluie aide, mais... Oh, il y a un petit swag, là, hein. Holy moly! En plus, wow! Ah ouais! Damn! Elle est moins bien en tout point, mais elle est plus un peu plus, elle est cool, hein. Est-ce qu'on peut faire mix match, genre, est-ce que ça rend bien ça? Ah, ça rend bizarre. Alors, c'est fait chier à farmer l'armure du coucou, mais celle-là est chouette, hein. Est-ce que... J'étais en train de dire, est-ce que c'est le moins léger? Non. Ce serait ouf qu'on arrive à... Attendez. T'as toujours pas, hein. Je sais pas ce qu'il faudra faire pour passer en léger, mais... Attendez, Non, même pas. Ah non, même pas. Damn. Parce que si on arrive à passer en léger juste avec ça, ça serait pas mal, mais... On va la garder un peu. En vrai, tant qu'on est à Réa Lucaria, on va garder ça. Puis si on voit qu'on prend trop cher... Voilà, quoi. Peut-être qu'on pourrait aussi... Faudra que je cherche avec Bok la changer, cette armure. Ah, mais généralement, changer l'armure, ça baisse les stats. Je sais pas. Regardez bien. Bah, y'a un arbre, quoi. Objet, bon, ok. Ok, ok, on prend. Bête droit devant. Bête? Oh, c'est profond, hein. Oh, oh. By the way, admirez, hein, on a pris le bon chemin encore. Hein. Ok, item. Ok. Oh, oh. Non, non, mais. Vous êtes chiant avec ça.
Ok. Aucun. Cherchez donc objet précieux. D'accord. Partout. Partout, objet précieux. Ou alors vous parlez du même. C'est très possible. Ils étaient où les mecs du coucou? Parce que là on a skip un part. Ouais, là-haut. Ah, ils en ont un item. Oh, comment on les atteint? Comment l'obtenir? Par là. Non? J'ai tombé. Admiré. Il me voit? Ah oui. Ah, il y a moyen, oui. Oh putain. Putain, mon chilo la colle là-dessus. Oh, je l'avais pas vu! Je me tire! Aïe! Bon, plus tard, les thèmes. Hein. Sans autre moyen d'y aller, mais il pleut, il brume, et je vois que dalle. Peut-être par au-dessus. Par la tour, là. Ah, je sais pas. On va essayer de trouver un. Hein. Par là, peut-être. Je peux encore pas vu alors que j'ai pas de point de compétence, c'est très étrange par contre. Lance spectrale, d'accord, un autre jour. Hein. Pourquoi j'ai pris des flèches là? Parce que les mecs de là-bas me touchent. Je crois. Item. Haha. Ah putain. Je peux encore pas vif. Ouais. Ah mais c'est face à table dans l'endurance. Ok, vu. Vu. Donc l'intérêt est moindre, forcément. Oh. Non. Allez, meurs. Ok. Bon, petit cimetière de mort, là, ça m'a saoulé déjà. Hein. Cimetière de mort, c'est drôle, ça. Ouh. Ouh, un champignon. Pourquoi je m'excite pour ça, je ne sais pas. Parce que je ne savais pas avant de m'exciter que c'était un champignon. Et oui, je ne savais pas qu'il faisait semblant d'être mort. On arrive au moulin, direct. Je vois rien, aussi. Accessoirement, voilà. Ya! Oh, je alors... Ok. On peut pas sa- ah oui, voilà. J'allais dire, on peut pas sauter et tout, mais là, on peut monter. Ok, donc plus tard aussi, on va d'abord aller là. Oula. Oh, waouh. C'est un ennemi, ça, hein, bien sûr, mais... Ah, c'est un mec gravitationnel, là. Ah, j'ai que dalle, hein, je suis à poil, hein. Oh là, d'accord, il en a eu marre d'attendre. Fuck. Ah. Oh. Je savais pas que vous pouvez faire ça. Ah, faut pas se faire grave, du coup. Ah. On dirait un vampire, un peu. Ouais, je me souviens qu'il avait un projectile. Spoiler, moi aussi. Puis gravitationnel, ok, le spell, tout simplement. Il y a peut-être un lore sur, sur ces fameux mecs, ok. Voyons voir. Sorcellerie des perles d'écho appuyant dans l'énergie gravitationnelle. Tire un projectile d'énergie, consacré, les ennemis touchés sont attirés vers le lanceur. Une technique gravitationnelle que tu l'as, le jeune Radan. Alors, disciple du seigneur d'Albâtre, à la peau de pierre. D'accord. Putain, Radan connaît la magie gravitationnelle. On n'est pas dans la merde. Non, Rabat ou Radan? Suis-je à ce point pas concentré? La réponse sous vos yeux ébahis. Radan. Ouais, non, c'est ça. Oh,
Bon, voyons voir où ça mène, ça. On peut monter, là. Hop. Viens voir, hein. Ok, ici. Et après, ça tourne. Ok, bon, pour l'instant on est sous l'académie, on n'est pas vraiment dedans. Ennemi faible. Grâce pour devant. Ok, j'y vais. On va pas prendre de risques. Merci jeunes gens. Voilà. Vous êtes fort, fort aimable. Eh, modifier les vêtements. Voyons voir du coup là. Attends, encore une fois, je comprends pas, hein. Si j'y vais, je comprends pas. Mais est-ce qu'on peut l'altérer, la désaltérer? On peut faire ça que sur le torse aussi. Comparer des tailles. Pourquoi on fait ça? Juste pour virer du poids? C'est juste pour les rendre plus légères? Ou alors ça change le skin? Non, bah non. Ouais, je sais pas. J'avoue que c'est très étrange cette histoire. Toujours est-il. Toujours est-il que je voulais explorer un peu derrière. Parce que. Oh, ça monte ici. T'aurais dû te concentrer sur ce que tu faisais. Je t'ai déjà tué dans une timeline alternative. Oh. Trou. Non, c'est bon. Oh. Non. Putain, mais c'était réglé dans Dark Souls 1, ça. Bordel. Par contre, on peut descendre. Et je crois que je vais mourir si je fais ça. Admirer. Faut pas que je loupe le coche, quoi. Oh, ça ressemble à un coche, ça. Ici, peut-être. Bon, on va prendre cet arrêt-là, hein. Hop. Ok. Allons voir là-bas. Vous relevez-vous? Non. J'avoue que je ne sais pas où je suis pour l'instant. Ici, ça a l'air d'apporter rien. Si ce n'est une... quasi mort. Hein? Peut-être un item ici? Peut-être que je suis déjà venu ici et je me rends pas compte? Non, je crois pas. Hein. Pas que je sache. J'ai pas vu. Ouais, je m'en doute, bien sûr, mais. Ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais. Ça non plus d'ailleurs. Un mec du coucou, ok. Je vais faire des pas de côté. Alors c'était quoi les mecs que je viens de tuer là? Ouais, des pantins. Oh. Non, c'est trop large la grappe, c'est trop chiant, c'est... Oh là là. Ok, bon on a des dégâts, c'est tout ce qui compte. Rune. Et on peut invoquer des... soldat pantin aviaire. Qu'est-ce que c'est que des soldats pantins aviaires, Jamy? Trop de cendres, hein, by the way. Des restes de cendres dans lesquels demeure encore une âme. Des esprits de pantins ressemblent à des volatiles créés pour servir un sorcier. Équipés de faux dotés de longues manches, ils attaquent également depuis les cieux en jetant des points incendiaires. Ils ont subi des dégâts, il peut leur arriver de ne pas fonctionner correctement. D'accord. Tout ça pour ça.
On est content? Alors, je vais juste analyser le moulin, voir si on peut aller encore plus bas ou si c'est mort assuré. Voyons voir. On a l'air de pouvoir descendre encore, mais on peut descendre encore, il y a tout un chemin là-bas. Vas-y go hein. Oh, c'est un peu haut ça. Ok. Ah, ça va le déposer sans qu'on meure peut-être. Genre là. Oh, voilà, le jeu est gentil. J'ai rien dit, le jeu c'est un gros connard. Oh, vous aimez bien les grabins dans cette zone hein. Je suis coincé. L'iframe, on l'a vu là. Hein. Et quand c'est ouvert, il prend bien plus cher. Me semble-t-il. Hein. Bien. Moi, j'imagine que tous ces cristaux-là, ça sert pour leur spell. Ouh. T'es sûr, le chat à longue queue. Voyons voir. Prends ce porteur en vulnérable aux dégâts de chute, mais ne protège pas des chutes fatales. Oui, voilà. J'avais vu ce délire. Lacrima figure dans de nombreuses fables de Raya Lucaria qui la décrivent comme un félin plutôt féerique passant son temps à jouer dans les grands beffrois. D'accord. Oui, j'avais vu ça, que beaucoup de gens étaient confus par rapport à l'immunité aux dégâts de chute, mais qui mouraient quand même. D'accord. Mais que ouais. Que ouais, c'est basiquement tous les dégâts de chute qui vous infligent des dégâts, pas ceux qui one-shot. Donc c'est pas ouf comme talisman. Parce que surtout que la range pour survivre à une chute, elle est un peu particulière. Oh! Visiblement, j'ai déjà ramassé de ces trucs-là. On n'est pas venu là que pour ça, quand même. On peut monter, là. Oh! On peut monter ici. Voilà. Oh merde. Bon, ici c'est la mort. Ouais, confirmé. C'est stylé des fois. Oh, cool. Pour. D'accord, petit mausolée sous l'académie. Il y aura qui peut appartenir. Mais c'est pas notre histoire. Je me demandais. Quand j'ai vu de l'eau tout à l'heure, je me suis dit c'est bizarre qu'il n'y ait pas de message là qui essaie de faire une blague. Et la voici. Alors, du coup, on va essayer de remonter. Oh là! Oh, j'ai eu peur d'un truc qui n'existait pas. Essayons de remonter. Donc bon, ça va, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus touffu le. Le système d'ascenseur, mais ça va. Il n'y a pas 36 destinations. Donc tant mieux. Hein. Hop là. Bien. Voilà, ça c'est un mec qui a sauté. Oh, c'est un lys. Ok, tout va bien. Oh là là. C'était ici? Je me souviens plus. Non, c'était pas là. Là, c'était le mec, ouais... gravitationnel, hop. C'est encore au-dessus. Ya, yeah. Ok. Oh, je te vois. Comment t'obtiens-je? Putain, pas comme ça du tout. Pas comme ça du tout. La vie, il y a moyen de monter par là, là. Peut-être par une fenêtre. Peut-être derrière les cristals. Pas du tout. T'as derrière cette bibliothèque secrète. Pas du tout. C'est le deuxième item en hauteur qu'on n'arrive pas à trouver.
Qu'est-ce que... Tu te protèges mais pas dans le bon sens, Micheline. Bah ouais. Ils t'ont appris à lire des livres mais pas à manier une arme, visiblement. Piège? Sans doute. Non. D'accord, apprendre des spells toujours sans doute. Piège? Non. Toujours pas de mimique. Oh, 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 oh. Mais l'item qui était dehors, comment on fait? Oh, ça me saoule. Oh. Quand j'ai vu l'étagère sans livre, je m'en suis un peu douté, mais j'ai lu en même temps le message. Ouais, 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 et du coup là. Ouf. Oh, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Ah, j'espère que ça vaut le coup, hein. Il y a l'item des coucous aussi que j'ai pas trouvé, hein. Les deux archers qui étaient chiants là. Ouh. Délice. Là. Attention. Ok. Oh, m'en fous, je l'ai. Olivinus. Putain, j'ai couru trop fort. Ah, où est-ce qu'elle va être Perrune? Elle va être en dessous? L'un des masques de père récompensant les érudits de Réal et Carrière dans les études furent reconnus. Augmente l'intelligence au détriment des PV. Ah ouais. Le cursus d'Olivinus vit le jour avec Lusat, et aujourd'hui encore, ses partisans poursuivent ses études sur les météores. D'accord, tout le délire des armes, des trucs gravitationnels donc. Moi j'ai pas envie de perdre des HP moi. Ah oui, je vois, on perd quelques HP en effet. Non c'est mort, hein. Moi je mets rien déjà, j'ai essayé de voir déjà où est-ce qu'elles sont. Âme. Elles sont en bas? Oh non. Je les vois pas. Là, t'es en train de me dire qu'elles sont en bas avec le... Non, elles sont là. J'ai failli descendre. Ça aurait failli être terrible. Faut juste pas que je meure de la... De la personne qui ne s'est pas gardée en face. Oh! Ah oui, j'ai failli me moquer. J'ai failli me moquer, mais je comprends mieux. Oh putain! Elle m'a entendu, en fait. Tu te moqueras pas de moi comme ça. Oh, s'il te plaît, tombe pas. Il y a je sais plus combien d'âmes en jeu, mais on en a perdu beaucoup trop déjà. En plus, c'est les runes. Alors, hop. Tout doux. Parce que là, faut réussir à faire le jump, mais sans tomber. C'est bon. Au pire, on fait demi-tour. Hein. Oh bah non, on peut pas. On est obligé de réussir le jump. Voilà, c'était easy. Je ne sais pas pourquoi j'ai raté le jump la première fois. Bref. Ça faisait combien d'âmes? Quand même. Quand même. Donc, elle n'a pas respawn, puisque je ne suis pas reposé. Donc... Oh, bonjour. Je vous dérangeais, hein. Ah, ils ont tous les Vénus sur la tête, du coup. Faudra y penser le jour où... Le jour où on jouera intelligence. Attention, sorcier, je le vois. Deux, même. On va essayer de le headshot. Ah bah non, ça ne marchera pas parce qu'ils ont une tête de pierre. Ils sont quand même. Bien sûr que ça marche. Oh! Hop. J'ai plus de flèche. Quoi? What? Ça voulait pas tirer. Je ne sais pas. On va peut-être allumer aussi la lumière histoire de repérer les passages secrets si on a. Toi, tu dépasses Alexander, je n'ai aucun scrupule à essayer de te tuer. Il va arriver en roulant, je le sais. Non, en se dandinant, non. Eh oui, désolé, hein, mais... Oh, il est planté dans le mur, quoi. On va commencer par... Toi, la feinte. Ah.
bien. Il gardait un coffre. Pour rituel, oh, serait-ce... Non. J'allais dire, serait-ce le chapeau de... d'un certain personnage connu, mais non. Servant à fabriquer des pots rituels à lancer, dis donc. Étrangement, ce pot vide se répare tout seul une fois brisé. Objet spécial à contenance supérieure à celle d'un pot fissuré. Les matériaux et les sorts que ce pot recèle dévoileront tout leur potentiel une fois ce dernier lancé. D'accord, c'est des mets... J'imagine que... J'imagine que c'est une recette qu'on ne connaît pas. Ah, quoique. Pot de sang vicié, peut-être. Pot de leur abeille, tout ça, là, ces trucs-là, peut-être. Ça a l'air d'être l'icône de... Testons, hein, j'ai envie de dire. Sang vicié, c'était quoi? Se couvrir de sang maudit. On a largement assez. On peut en faire qu'un, j'imagine, parce qu'on a qu'un seul... Oui, ok. Ah, il y avait ça aussi, peut-être. D'accord. On va l'équiper, on va trouver une... Ah, j'ai jamais lancé ça, by the way. Pour tester, on va se le mettre sous le coude, voilà. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Porte. Non, bah, tu vas voir si j'ai pas le droit. D'accord. J'ai été médisant, mes excuses, on va aller par là. Piège, sans doute. Je m'en doutais, bien sûr. On va essayer de rush, I guess. Ok, c'est safe ici. Oh, t'es relou. Aouh. Mon gars. Je suis encore sous l'hygiène, j'aurais pas dû me soigner. C'est pas grave. Essayez de faire un signe. Eh ben écoute, pourquoi pas. Essayons un sourire. Est-ce que c'est le genre de truc où faut attendre longtemps? Essayons. Je sais parce qu'il y avait un truc dans Bloodborne comme ça où il fallait attendre une minute, donc bah on va attendre. Ouais, quelque chose me dit que je me fais troll. Ou alors que c'est pas le bon signe, c'est très possible. Objet précieux. Hein. D'accord. On est content. Il y a sans doute un item ici. J'ai pas trouvé comment. Voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr. Donc, une fois de plus, je continue de progresser. Une fois de plus, le chemin que j'ai pris au tout début s'est avéré être le bon. Une fois de plus, je suis déçu. Passage secret. Merci. Ouh. Échelle. Oh mon dieu, c'est infini cet endroit. Mimique. Comète. Wow. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu qu'il y avait un item derrière le bureau aussi. Tiens, une grande comète magique. Attendez, il faut combien d'intelligence? 52. Bah oui. Holy fuck. Tiens, une grande comète magique, vous pouvez lancer ce sort plusieurs fois en vous déplaçant, chargez-le pour accroître votre puissance. La plus illustre des sorcelleries du cursus de Carolos, rares sont les sorciers ayant réussi à la maîtriser. Damn. Ça a l'air intéressant, hein, mage, mais bon. D'accord. Ah. C'est où? Serait-ce Redala? Pour ainsi dire, crevette. Elle est stylée, hein, si c'est elle. Ok.
Montons. Alors, vous savez pas à quel point ça me démange de juste me re-TP au tout premier bonfire et de prendre l'autre chemin. Ah, mais... Mais faut vivre dangereusement. Hein. Des bouquins, des trucs, des machins. Des shows. Pas d'ennemis. Plein de bouquins. À quoi ça sert de monter? Ça, c'est un des deux mecs qui a donné, un des mecs qui a donné son visage pour qu'il devienne un pierre. Vraiment? Ah oui, bah oui, tout simplement. Ok. Ah oui, on est derrière. Ah oui, je pensais qu'on tombait devant, nous. Mais derrière le tableau, là. Ok. Ok, ok, ok. Moult mystère dans cette académie. Bon, bah, pas de choix. Et là, je meurs. Aucune idée d'où j'ai terminé, mais... Oh là. Bordel que tu fais, frère. Pantin, peut-être. Bon, écoutez, hein. Moi, je suis un moustique. Oh! Je m'attendais pas à des petits. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à des pots. Ya! Ya! Ok. J'ai eu un talisman avec tout ça. Augmente la puissance des sorcelleries. Talisman représentant un amalgame de mages gravés. Ah oui, le truc. Ah, c'est ça les boules qui lancent plein de spells là. Un amalgame de mages gravés cauchemar de l'académie. Augmente la puissance des sorcelleries. Le courant originel est une tradition interdite à la sorcellerie des pères d'éclat. Mais aussi de ceux qui suivent ses enseignements, capturer des sorciers pour en faire des graines d'étoiles n'est qu'une méthode scientifique parmi tant d'autres. What the... Il se passe des choses, hein. Oui, c'est les fameuses grosses boules, là, qui tirent des comètes. Peut-être que c'est ça, le principe, c'est que... ils fusionnent des mages, et que leur puissance combinée permet de lancer de plus grosses spells. Vu que un tout seul ne peut pas maîtriser certains spells, bah, si t'en fusionnes, ça te permet de lancer, de créer, basiquement, des armes. Oh, ok. Vu. On est là. On est là. Ça reste du coup un cul de sac. Non, on n'était pas monté. Enfin, si, je sais plus. Il y a tous les masques de pierre là aussi. Si, on était monté. Oui, mais on avait trouvé un passage secret et du coup on s'était baladé, c'est ça. Maintenant le vrai chemin. Oh! Le boss là direct? Chiant. Je suis pas super bien dans ma game, mais... Il n'y a pas plusieurs boss à Réa Lucaria, ça va être Rénala, là. Bon, écoutez, j'y vais. Je meurs. Et si c'est Rénala, on explore le reste. Parce que là, j'aurais vraiment trouvé direct, quoi. Attendez. Pas du tout. Loup cramoisi de Radegro, oh putain. Wow. 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 Holy shit. Trop stylé. Il les aura HP. Il a laissé son chien derrière Radagon. Oh les dégâts. Oh les dégâts. Ok. Petit hommage à Sif. Légèrement stylé. Ok, cool. Trop cool. Je sais pas où je vais respawn par contre. Je suis peut-être un peu loin. On peut juste rush, je pense. Hein. Oh, trop stylé. Dans ce délai, logien. Ah, oh, fait chier. Oui, rappelons qu'on a un talisman pour prendre moins cher des dégâts magiques. Hein. Là, techniquement, on est... Ta mère. Là, techniquement, on prend moins cher des dégâts magiques, déjà.
Oh le délai. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Ça va? Ok. Non, il a juste eu un petit moment pour réfléchir. Ah, c'est vrai que ça, il attaque en trois coups, ça. C'est ce qu'il nous a fait tout à l'heure. Faire gaffe. Putain. Un, deux... Il n'y a pas eu le 3, ok. Ouh. Pas de 3. 1, 2, et... Oh d'accord, ok, c'est jamais la même chose en fait. Oh, oh là là. Putain, les dégâts. Oh, je le savais, je l'ai quand même pris, hein, le délai. Putain, je prends trop cher. Je prends trop cher. Ok, on se concentre. Oh la vache. Ok. Ouh, un mébolite, dis donc. Et un succès Steam. Tant de choses. Bon, c'était pas si dur, bien sûr, mais quand même beaucoup de dégâts. Hein. Holy fuck. Et on prenait moins cher, hein, rappelons-le. Ouais, je vérifiais quand même que j'avais équipé le truc parce que... Après, si ça se trouve, ça réduit très peu aussi, hein. Bon, on a tout cassé, hein, désolé. Hein. Putain, Radagon, il a oublié son chien. Ça a fait me coûter la vie. Il m'a donné combien de runes? Ouh, oui. On achète, hein. Ça, on achète. On va monter au moins à 32 vigueur, je pense, avant de mettre un peu d'endurance et de repartir sur la dextérité. Ok. Nom de Dieu, quoi. Donc, il y a bien plusieurs boss ici, hein. Il y a bien plusieurs boss ici. Déjà, c'est plus que vol orage. On est où, là? Toujours Aria Lucaria. On est dans une autre section, visiblement. On a c'est découpé en parties, de ce que je comprends. Ok, merci, merci. Deux secondes, hein. Attends, c'est beau quand même.